Chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, bonsoir. Notre briefing d'aujourd'hui est un peu différent des autres. C'est la première fois qu'il n'est pas entièrement en direct. Je le fais avec un léger différé pour que vous puissiez profiter de cette lumière dorée du couchant dans un bois de bouleau. Un bois de bouleau qui se trouve quelque part au fin fond des grandes forêts de la Russie, où je me trouve donc. Et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer un peu cette splendeur qui est autour de moi. Regardez. Derrière moi, il y a un village. Un village qui dépérit, comme beaucoup de villages en Russie, qui est fait de vieilles isbas. Avec encore des paysans qui habitent, avec des familles qui sont déjà parties depuis longtemps vivre à la ville, et puis des gens qui, peut-être, ici ou là, commencent à revenir. Et tout à fait derrière moi, c'est la direction de la Sibérie, de Vladivostok. Donc ce paysage de bouleau ou de toundra, eh bien, elle se prolonge sur des milliers et des milliers de kilomètres. C'est dire si ici on peut respirer. Et c'est un peu pour respirer aussi que j'ai décidé de partir cette semaine en Russie. Et c'est de Russie que je fais mon antipresse cette semaine. Pourquoi je suis parti? Parce qu'il m'a semblé que ces jours-ci, avec tout ce qui se passe en Europe, tout ce qui se passe dans le monde occidental, il était primordial, en tout cas pour moi, spirituellement, de prendre un peu de recul, d'essayer de voir les choses d'un autre angle, mais vraiment d'un autre angle géographique. Donc je suis au nord-est de Moscou. Je suis passé par Moscou avec évidemment quelques difficultés qu'on peut imaginer pour réussir à entrer en Russie ces temps-ci, étant donné que les consignes concernant la protection contre le Covid changent pratiquement de jour en jour, de semaine en semaine, et selon les pays. Et bon, j'ai réussi à me glisser, semble-t-il, dans un interstice où on m'a permis de rentrer en Russie, alors que jusqu'à il y a quelques jours, le pays était complètement fermé pour tous les étrangers. Donc voilà, j'ai commencé par passer par Moscou, et je vous raconte ces choses un petit peu au débotté, je n'ai pas de notes avec moi. Parce que la circonstance est particulière, puis parce que j'ai envie plutôt de raconter, de décrire où je suis, comment je me sens ici, ce que j'ai pu apercevoir et ressentir lors de ce voyage, qui d'ailleurs se prolongera, plutôt que de commenter, comme chaque semaine, les sujets de l'antipresse. J'y viendrai peut-être, mais pour le moment, savourons l'instant. Je suis donc passé par Moscou, où j'ai rencontré quelques amis, où j'ai pu tâter un peu la température. Évidemment, c'est une ville qui, comme toutes les grandes villes du monde, est un peu tétanisée par l'épidémie, qui essaie de vivre quand même. Et c'est étonnant, malgré toutes les restrictions, malgré la peur d'une partie des gens, eh bien, la vie continue, beaucoup moins masquée, même s'il y a des règlements à ce sujet, mais beaucoup moins masquée qu'en Occident. Et l'essentiel, comme me disent mes amis expats européens qui vivent ici en Russie, à Moscou en particulier, la différence entre la Russie et les pays d'Occident, c'est que ceux qui ne portent pas les masques, eh bien, ou qui enfreignent d'une manière ou d'une autre les codes très stricts et aberrants de l'hygiène, eh bien, au moins, on ne les dénonce pas. Les voisins ne les dénoncent pas. C'est déjà une situation beaucoup plus normale, plus humaine, me semble-t-il, que dans des pays où, parce que vous avez votre masque de travers, on va vous dénoncer à la police. C'est un grand paradoxe, vous imaginez bien, qu'il nous faut savourer. Parce que qu'est-ce que c'était que la Russie il y a encore 30 ou 40 ans,
c'était l'URSS. Et l'URSS, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était la délation systématique de tous ceux qui ne filaient pas droit. On en est revenu. Le pays a dû subir une crise terrible pour sortir du communisme. Et aujourd'hui, sous bien des aspects, aussi bien du point de vue de sa politique gouvernementale que de la philosophie qui y préside, du point de vue des mœurs, du point de vue de la mentalité, de l'éducation, ben c'est un pays qui est revenu à des valeurs, grosso modo, qui étaient celles de l'Europe de l'Ouest, jusque dans les années 50-60. Souveraineté du pays, famille, sécurité, fierté nationale, et puis aussi une certaine volonté de rattraper l'Occident dans bien des domaines, notamment dans le domaine du niveau de vie. Évidemment que dans ce domaine-là précis, les derniers développements, les sanctions imposées par les États-Unis ces dernières années à la Russie en raison de divers prétextes, le dernier en date étant cette affaire assez grotesque de l'empoisonnement de l'opposant Navalny, bon, ben, ces sanctions ont quand même frappé l'économie, le rouble s'est effondré, et tout en entraînant le contre-coup inévitable auquel manifestement les dirigeants occidentaux n'ont pas pensé, ou n'ont pas voulu intégrer, c'est que, ma foi, un pays qui est soumis à de telles pressions, ben, il finit par s'autonomiser, compter sur lui-même, renforcer son agriculture, se défendre. Et puis, il prend une mentalité aussi de pays qui est encerclé, qui est menacé, et qui, contre mauvaise fortune, doit faire bon cœur. Voilà, c'est un peu le tableau général. Et en arrivant ici, en Russie, une chose m'a frappé. Je vais la partager avec vous. C'est assez ironique. J'ai commencé de lire un essai écrit par le fameux Klaus Schwab, le directeur du WEF, du World Economic Forum de Davos, intitulé le Grand Reset, The Great Reset. Donc sur la quatrième révolution industrielle et l'économie merveilleuse qu'on nous annonce pour demain, qui sera à la fois respectueuse de la chèvre et du chou, c'est-à-dire de l'environnement, de l'humain, des vrais besoins de l'humanité, et qui en fait ressemble à un ordre largement totalitaire, régi par les technologies numériques et les corporations qui les contrôlent. Mais puisque nous sommes en Russie, une traduction de ce terme en russe s'impose. La traduction, c'est perestroïka. Or, qu'est-ce que la perestroïka a signifié concrètement? 10 ans de disette, pour ne pas dire de famine, des familles détruites, des gens sans travail, des enfants qui traînent dans les rues, un pays qui était au bord de l'implosion et du démembrement, en des féodalités probablement dirigées par des oligarques. En tout cas, c'était le souhait, c'était la stratégie que poursuivaient les Occidentaux, conformément au plan tracé par Zbigniew Brzezinski, déjà dans les années 80. Et puis, cet effondrement de tout, et je ne vous parle même pas du niveau de culture ou de moralité publique, cet effondrement de tout à la faveur du grand reset de l'Union soviétique, il a abouti à quoi? D'abord, dans les années 90, à une chute objective et mesurable de l'espérance de vie. Les hommes vivaient jusqu'à 55 ans, 57, dans cette Russie-là. Les trous démographiques sont visibles sur les cartes. Et puis ensuite, ça aboutit à quoi? À la reprise en main, par les structures de l'État, par les structures de sécurité, dont Vladimir Poutine était un représentant éminent, un officier. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que les Russes vivent sous Poutine. Beaucoup ne l'aiment pas, mais comme ils le disent souvent, je ne l'aime pas, on ne l'aime pas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? C'est le gage de notre sécurité, de notre souveraineté. Je me suis demandé, en réfléchissant à ce qui arrive chez nous, en Europe de l'Ouest, ces jours-ci, si nous ne sommes pas en train de nous diriger vers
une perestroïka semblable. C'est-à-dire, bon, ben oui, il y a un constat juste dans l'idée du reset, c'est que notre système ne peut plus, n'en peut plus, il est au bout. Il y a des problèmes, des crises qui sont devenus impossibles à résoudre parce qu'on n'ose même pas mettre un nom dessus. Le retour à une normalité dans le monde occidental, comme ce fut le cas dans l'utopie soviétique, qui pendant trois générations a hanté la Russie, eh bien, le retour à la normale se fait peut-être par l'effondrement. Évidemment, pendant que je voyageais, j'étais en route, j'ai appris ce qui se passait à les nouveaux égorgements en France. Et puis j'ai pensé de nouveau à tous ces avertissements que ce pays a reçus durant 25 ans maintenant, notamment au temps de la guerre en Yougoslavie, où la France, comme les autres puissances occidentales, n'a pas voulu voir que les coupeurs de tête étaient déjà là, installés en Bosnie. Et non seulement elle n'a pas voulu voir, mais en plus elle a fait de son mieux pour leur conférer une légitimité dans le cadre de l'OTAN, pour leur donner un appui aérien, pour les installer au pouvoir et pour nier évidemment leurs crimes, tant que ça ne concernait pas son propre territoire, le propre territoire de l'Occident. Maintenant, il est difficile de revenir sur cette histoire, c'est pas la peine, mais on va être obligé, d'une manière ou d'une autre, d'ouvrir les yeux. C'est douloureux. C'est douloureux comme la fin des illusions soviétiques, puis de la contre-illusion de l'utopie de déréglementation, l'utopie libérale qui a en quelque sorte pris possession du pays sous le drapeau de la perestroïka. Eh bien, la fin de toutes ces utopies, ça a amené à quoi? Ben, à un retour du calendrier d'un siècle, pour ainsi dire. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un tsar qui règne en Russie. Voilà, ceci pour dire que autant la situation nous semble inextricable, autant elle nous semble sans horizon. Et je crois que pour beaucoup de gens, la folie, la psychose de la pandémie, qui est, comme on l'a vu, entretenue de manière absolument obsessionnelle par les médias. Vous pouvez voir dans le Monde diplomatique ces jours-ci, dans le Monde diplomatique de novembre, un texte qui vous cite l'occupation médiatique, le temps d'antenne que prend le Covid dans les médias français, et vous découvrez que rien, aucun sujet jamais n'a été autant couvert, n'a occupé autant d'espace que le Covid. Donc cette épidémie de grippe qui ne se multiplie plus pratiquement que par le nombre de cas, c'est-à-dire le nombre de gens testés positivement, mais qui ne tue pas davantage qu'avant, qui tue même moins, et raison pour laquelle les chiffres de la mortalité qui étaient répétés, martelés au mois de mars-avril, aujourd'hui, pratiquement, vous ne les entendez plus nulle part. Pourquoi fait-on cela? Peut-être que dans le cadre de cet effondrement du système, c'est le meilleur moyen de spontané, de maintenir le contrôle sur les masses, d'essayer de maintenir le contrôle sur les masses, par la peur évidemment, par la désignation d'un ennemi. C'est toujours unificateur d'avoir un ennemi, même s'il est minuscule et viral, et par la fixation de l'attention de tous sur une problématique qui certes est grave, mais qui aujourd'hui, et on s'en rend compte peu à peu, par les événements tragiques, mais également par la fermeture des entreprises, par le chômage qui s'approche, par les fusions, les banques qui fusionnent en Suisse, par exemple,
par l'effondrement du commerce de détail, ben, la crise, on se rendra très vite compte, la réelle crise par rapport à la peur du coronavirus, ça va être autrement plus général, plus perceptible et peut-être plus tragique que ce que nous avons vécu par médias interposés, par pression, par rhétorique politique, sanitaire interposée jusqu'à présent. Tout ça, ben oui, peut-être qu'il faut il faut un certain recul, il faut une certaine distanciation pour en parler, pour essayer de le conceptualiser, comme on dit aujourd'hui, de le voir et de ne pas réagir au quart de tour, de ne pas réagir à l'impression, à ne pas réagir par énervement et ne pas réagir surtout de manière à diviser les gens. Je me suis aperçu ces derniers jours, en Suisse, où je vis, que les gens étaient évidemment maintenant divisés en deux camps et que ces deux camps avaient de plus en plus de peine à se parler. C'était ce qu'on appelle les covido-sceptiques, ou je ne sais pas comment le dire, et puis évidemment les gens qui prennent la chose au sérieux et qui s'affolent. Je pense qu'il est plus inutile, plus absurde que jamais de faire des camps, de se chamailler sur une chose qui imposerait plutôt la solidarité de tous. Et ce qui est aussi très frappant lorsqu'on y réfléchit avec une certaine distance, c'est que cette solidarité de tous, ce n'est pas dans les pays où l'on a inculqué la terreur à chacun, la terreur de son prochain. C'est pas dans ces pays-là que la solidarité s'est faite. C'est pas en accusant les gens de ne pas penser aux autres parce qu'ils ne portent pas les masques qu'on fait preuve de solidarité. La solidarité, ben, c'est par exemple en Suède, la réelle solidarité, en Suède où on a décidé que toute la société allait endurer, non pas comme des individus atomisés, mais comme un groupe humain, comme les groupes humains ont toujours fait, l'attaque de ce virus afin de s'en protéger naturellement et non pas par des méthodes qui sont aussi illusoires, comme je l'ai déjà dit, que d'essayer d'attraper des moustiques avec des filets à poisson. Et voilà, on est parti pour réviser tout un tas de nos convictions, de nos concepts, comme l'ont fait les Russes soviétiques à la fin des années 80, alors que juste quelques années plus tôt, nous étions convaincus, et eux pensaient aussi, que le régime soviétique, l'utopie soviétique, était faite pour durer 1000 ans, même si elle avait des problèmes, évidemment, des ajustements. Mais ça devait durer 1000 ans, ce cauchemar totalitaire. Et puis non, du jour au lendemain, il a été vaincu par sa propre absurdité, ce cauchemar, par sa propre inhumanité, par sa propre absence de viabilité matérielle, naturelle et de concordance avec la réalité des faits. C'est un exemple pour moi depuis que je l'étudie, puisque je l'étudie depuis 30 ans maintenant, qui m'a toujours fait penser que il ne fallait pas s'arrêter aux étiquettes, ni à la spécificité d'un régime et d'une idéologie. Bien sûr qu'en 1917, c'est l'idéologie bolchevique, marxiste, qui a pris le pouvoir, qui a détruit, mais délibérément et avec une rage inconcevable aujourd'hui, sanguinaire, tout ce qui pouvait incarner le monde ancien, tellement elle était sûre que son modèle, qui était un modèle scientifique de l'humain, était supérieur au modèle religieux, traditionnel, hérité, historique et organique de la société humaine, que ben voilà, on ne regrettait rien. On détruisait tout, on ne regrettait rien parce qu'on était absolument sûr, jusqu'à un moment donné, que ce qui allait suivre, et qui était la reprise en main des affaires par l'humain,
le contrôle de tout ce qui, jusqu'alors, relevait de la nature, du hasard ou de Dieu. Maintenant, on avait des ingénieurs pour tout ça. Ben voilà, ça, c'était tellement mieux qu'il n'y avait rien à regretter. C'est un petit peu aussi le raisonnement qu'on entend dans la théorie du grand reset. Une économie gérée par les systèmes numériques est une économie évidemment infaillible. Ça va de soi. On va réussir à écarter le très imparfait facteur humain de tout, sauf du fait que toute cette économie numérique, tous ces ordinateurs, tous ces algorithmes, toutes ces bases de données, eh ben, il y a quand même quelqu'un, un humain au départ, qui enclenche le bouton, qui programme, qui détermine. On est vraiment en Union soviétique. L'ingénierie sociale, l'organisation de l'économie, de la société, et même de la psychologie humaine en formule scientifique, on a déjà essayé. Ici, dans ce pays, ça n'a pas marché. D'ailleurs, tout ce qu'on a réussi à faire, si vous voyez cette campagne qui est derrière moi, c'était de détruire une civilisation, d'arracher des millions de gens à leur campagne et au prêt infini, à cette nature infinie qui m'entoure, pour les envoyer à la ville, gagner leur croûte, dans des conditions misérables, plus misérables encore que celles du prolétariat capitaliste contre lequel on a fait la révolution, enfin pour le salut duquel on a fait la révolution. Vous imaginez ce pays le plus riche du monde, le plus vaste du monde, avec toutes ces forêts, avec ces plaines, avec ces champs, ces montagnes, qui, au moment de la perestroïka, mourait de faim, qui, déjà avant la perestroïka, avait de la peine à se nourrir, qui importait des matières premières, de la nourriture. Il a fallu vraiment une sacrée équipe de task force, de conseillers scientifiques, pour terrasser pareillement un pays qui, si on l'avait laissé faire tout seul, aurait suffi à nourrir la planète. Encore un sujet de réflexion pour nos technocrates en Occident, particulièrement en France, qui est probablement le deuxième pays le plus riche du monde, et qui aujourd'hui s'effondre dans... Enfin, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, mais en tout cas, elle ne semble pas très heureuse. Donc voilà. Notre ami Eric Werner, comme en contrepoint de ce petit voyage que j'ai entrepris, a décidé dans ce numéro de nous présenter un personnage hors du commun, un grand témoin du XXe siècle, le grand peintre polonais Józef Czapski, à qui la fondation Michalski en Suisse, à Montricher, consacre en ce moment une exposition, et dont une grande biographie magnifique par Eric Carpelès est parue, en français maintenant, et que Eric Werner a commenté. Czapski a traversé un siècle de mensonges, d'illusions, d'extermination, de déportation, avec une extraordinaire allégresse, avec une extraordinaire joie de vivre. Pourquoi ? Parce qu'il croyait, mais il croyait dur comme fer, à la mission de l'art et à la mission de la littérature. Imaginez-vous, dans son camp, il a donné une série de conférences sur l'œuvre de Marcel Proust, en n'ayant même pas les livres sous la main, en se les rappelant de mémoire. Et ces conférences ont peut-être sauvé la vie de ses compagnons d'infortune, parce qu'il n'y a pas de meilleur antidote à l'emballement, à la furie des temps, à la peur, à l'angoisse collective, que la culture, la mémoire, l'histoire et la spiritualité. Ben, sur ces mots, je vous invite à découvrir l'antipresse de ce week-end, à nous lire, à nous commenter, à vous abonner, vous réabonner, abonner vos amis, parce que l'antipresse, c'est une chronique de la vie humaine au temps des robots, depuis 257 semaines déjà, et on n'est pas prêt de s'arrêter. Bonne semaine, bonne lecture, bon dimanche.